spreading your love as far as can be, living your life with the Father in mind, giving thanks and praises all the time. Or else it can't work out, nothing that I know it won't work out. I still just say it can't work out, nothing that I know it won't work out. Alors, on a pagayé quoi? Une demi-heure peut-être? Pas plus. Et puis Funky, elle m'a dit, voilà, aujourd'hui on le prend cool. Et vu que ce soir on soit au barrage, et puis voilà. Pas calé là, comme chemin. Thank you.
la Sainte-Croix. Et voilà, on va pas vers la crique. La Sainte-Croix, forcément, moi je tourne dans le mauvais sens. Voilà, Sainte-Croix là, avec le port. Finalement, pour passer de l'un à l'autre, c'est pas bien long. Franchement, en allant vraiment doucement, j'ai mis quoi, 20 minutes, une demi-heure, allez. Ouais, une demi-heure à partir du moment où le vélo était monté. Et jusque là. Thank you.
escarpé partout, et juste là. Donc là au pire je sais qu'on peut sortir. Bon maintenant sinon je regarde sur le GPS et, parce que j'ai dit repérer à l'avance, mais bon j'ai repéré qu'au GPS, alors en vrai je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Je sais qu'à peu près 1 km et quelques, il y aurait un chemin de sortie. Et le barrage il est juste après. Il est à 1 km 400. Donc on va voir ce que ça va donner, hein. Sinon au pire on fait demi-tour. Mais bon, en général on s'en sort toujours. Ben, c'est joli sinon. Hein. Et là, puis il n'y a plus de dégâts. Hein. Là franchement on est tranquille. C'est un qui est sans nuit d'ailleurs. Le barrage il a dû céder. Que ça fait deux jours que je pagaille contre le vent et le courant, et là je pagaille pas et j'avance tout seul. Donc à mon avis on va finir dans l'endurance en 10 minutes. Moi sinon je vois qu'elle est ligne électrique. Je me rappelle que sur Google Earth j'avais regardé, je m'étais dit dès que tu vois les lignes électriques c'est qu'il faut penser à sortir. Donc bon voilà. Je vois où on va sortir, mais bon. Bon, on verra bien. Bon, c'est cool. Le plan pagaille. Ça y va tout seul. C'est qui fait dodo. Mon chien. Ah, la grotte à Cro-Magnon. Voilà, il y a les lignes. Ça, c'était mon repère. Il dit quand les lignes passent au-dessus de l'eau, c'est que c'est le moment de sortir. Apparemment il y avait un gîte un peu plus haut là, donc il va falloir voir de monter ou pas. Sinon le barrage il est à 900 mètres à peu près là-bas. Là je ne sais pas si on voit là, j'ai les lunettes, j'ai tout. Et là on ne peut pas aller plus loin. Franchement c'est chouette. Tu es tout calé là pour te baigner, c'est nickel. Hein. Le portage est immense, c'est caillouteux. Bon, les gens m'ont dit qu'il y avait pour près de 10 minutes, un quart d'heure avant d'arriver sur le plat. Ce qu'il y a, c'est que moi je dois faire 4 allers-retours chaque fois. Donc ben voilà, il faut 10 minutes, un quart d'heure. Le chien, ah tu m'as explosé la jambe. Pour 10 minutes, un quart d'heure, il me faudra une heure. Allez boulette. Mais franchement, ça vaut le coup. C'est bien sympa. Bon, sauf que c'est comme ça, un quart d'heure. Bon, en fait, il faut monter tout ça. Un petit sentier qui arrive là. Franchement, ça fait un sacré portage. Mais bon, ça se fait quand même. Par contre, ça atterrit sur une propriété privée. Voilà, j'ai vu le proprio, il m'a dit que c'est bon. Mais bon, voilà, pas exagéré non plus. On va pas revenir. Quoi. Allez, je vais remonter le vélo et le kayak. Bon, allez, go. Bon, ça a été ultra long finalement. Ils discutent, Funky s'amuser avec les gamins. Bon, mais du coup, il fait soir. On va chercher un coin pour dormir, on va sortir de la propriété privée et puis et voilà, en route pour Kenso. Alors il y a le village de Kenso qui est juste en dessous, à quoi vol d'oiseau, 1 km. Là je me suis calé au bord de la route, un peu plus haut là.
Parce qu'ici, il y a tout qui est privé, je suis compliqué. Et partout des panneaux, propriété privée, des fonds, machin. Hein. Donc je suis calé là, avec la tranquille. On va se faire à manger, on va dormir là, et comme ça, demain matin, on part direct. C'est funky. Au revoir, Funky. Au revoir. Situation that
ferme. Je crois qu'il faut une mouille.